Alors, je vais laisser donc la table ronde qui suit s'installer tranquillement en présentant. Donc, on va tenter cette fois-ci de rentrer dans la classe et dans l'école. Après les propos de Grégoire Borst, qui étaient plus élevés, de rentrer dans du concret. Et avec les différents intervenants, je vais laisser Louise Touré les présenter, voilà, s'attacher plus au rôle de l'école dans l'apprentissage de la lecture et est-ce que, voilà, quelle perspective tout ça nous offre. Louise Touré, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Rôle de l'école et puis au sens qu'on donne à la lecture. J'aime beaucoup le titre de cette table ronde, Apprendre à lire pour lire par plaisir, ce qui dépasse peut-être un peu dans la tête de certains les missions de l'école, mais on va voir tout ça. Et j'aimerais ajouter aussi apprendre à lire avec plaisir, ce qui peut être une belle ambition. J'espère que ça arrive aussi. Je vais présenter sans plus tarder, parce qu'on a un peu de retard, les intervenants et intervenantes de cette table ronde. Jérôme Rioux, bonjour, vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, donc vous êtes ici chez vous, vous allez nous parler de vos recherches, d'où vous venez aussi, puisque vous avez été professeur des écoles. À vos côtés, Hélène Kérilis, bonjour, vous connaissez bien l'école aussi en tant qu'autrice. Parce que vous vous rendez souvent dans des écoles, dans des classes. C'est ça aussi qui donne du sens à la lecture, ce partage et cette rencontre qu'on peut avoir autour des livres. C'est très important pour les enfants. Et enfin, Valérie Pertuet, directrice du département primaire, édition à Thiers. On va parler avec vous de livres, de manuels, mais aussi de livres pour lire, puisque c'est quand même le but de lire. Enfin, il y a plein. Il y a plein d'objectifs dans le fait d'apprendre à lire. Et moi, Louise Touré, donc je suis journaliste spécialiste de l'éducation. J'anime une émission radio sur le sujet depuis 12 ans. Voilà, ça fait longtemps. Donc j'ai eu le temps de parler de la lecture, des méthodes de lecture et de plein de choses qui concernent ce sujet. Et surtout cette année, puisque c'est lecture grande cause nationale en France, et on s'interroge souvent sur comment faire lire les enfants. Alors c'est vrai que la première marche, c'est d'apprendre à lire. Je vais commencer avec vous, Jérôme Rioux. J'ai dit très rapidement que vous étiez chercheur. Un mot sur vos recherches, sur l'apprentissage de la lecture. Et j'ajoute une petite question. Je crois que votre micro marche. Ça fonctionne. Oui, peut-être bien. Ça fonctionne, il faut parler un petit peu fort. Et donc, vous venez vous-même de l'enseignement du premier degré. Donc, comment vous êtes passé de l'un à l'autre et sur quoi portent vos travaux ? Bonjour. Donc, oui, effectivement, je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès dans un laboratoire qui s'appelle UMR, Unité Mixte de Recherche, Éducation, Formation, Travail et Savoir, EFTS. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai débuté donc dans l'enseignement à l'école primaire. J'ai enseigné dans toutes les classes de l'école primaire, de la toute petite section, donc avec des enfants de 2 ans, jusqu'au cours moyen deuxième année. Et donc, au cours de ma carrière, j'ai décidé de franchir le pas, de devenir maître de conférence, c'est-à-dire de commencer un travail de thèse, de doctorat. Et je l'ai fait, ce travail de doctorat, dans une grande étude française qui est sûrement connue, c'est Lire et écrire au CP, qui a été dirigée par Roland Guagou. Et donc, dans cette étude, nous avons beaucoup travaillé sur les pratiques des enseignants en classe. Et nous sommes allés les observer pendant 3 semaines dans l'année, au mois de novembre, puis en mars, puis en mai. Et au cours de ces 3 semaines, on a relevé dans leur classe toutes les tâches qu'ils proposaient à leurs élèves dans le domaine de la lecture et de l'écriture. Et nous avons obtenu des résultats sur l'étude que nous avons conduite après avoir donc mis en évidence, au niveau statistique, les effets de certains... de certaines pratiques sur les progrès des élèves. Donc après, on pourra revenir éventuellement sur certains de ces effets, mais ce serait trop long de les exposer tout de suite. On peut déjà s'arrêter sur un point, moi, qui m'intéresse énormément, c'est le temps. C'est-à-dire, lire, c'est pas seulement l'affaire du CP. Évidemment, ça se prépare auparavant à la maternelle, à travers un enseignement qui est de plus en plus formalisé depuis quelques années. Et puis, c'est apparu dans vos recherches, c'est le temps qu'on y passe dans la journée, avec les élèves, le temps pour pratiquer la lecture qui est extrêmement important et qui fait la différence. Alors effectivement, sur les durées d'enseignement, il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes dans cette étude. On sait déjà qu'au niveau des programmes ministériels, on doit faire 10 heures d'enseignement du français au cycle 2, par exemple, CP, CE1, CE2.
et qu'en réalité, dans les classes, c'est un petit peu moins, parce que dans ces 10 heures, il y a le temps de récréation, il y a les ruptures entre les moments où on sort d'une activité, on entre dans une autre, et en réalité, bien sûr, il y a un tout petit peu moins de 10 heures dans les classes. En règle générale, en moyenne plutôt, on peut dire qu'il y a 7h30, un petit peu plus de 7h30, qui est consacré donc à l'enseignement de la lecture et de l'écriture dans les classes de cours préparatoires en France, selon l'étude qu'on a conduite donc, et dont le rapport est paru en 2016. Effectivement, cette notion de durée est très importante, parce que la durée, pour nous, c'est à la fois la principale ressource des enseignants, mais aussi la principale contrainte. Et donc, avec les programmes scolaires qui sont actuellement en vigueur, avec tout ce que les enseignants doivent faire, ils doivent réfléchir à la meilleure manière d'organiser leur temps pour faire en sorte que les enfants réussissent le mieux leur apprentissage de la lecture. Alors donc, dans cette organisation du temps, forcément, ils peuvent la penser eux-mêmes, mais ils peuvent aussi s'appuyer sur des outils. Et c'est là que ça rejoint les outils qui sont proposés par les éditeurs scolaires, et notamment en cours préparatoire, les méthodes de lecture. Et donc, on voit qu'il y a des enseignants qui s'appuient sur des méthodes de lecture, mais il y a des enseignants qui décident de planifier leur temps eux-mêmes. Et donc, effectivement, ça peut donner des différences dans les classes, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on suit une méthode ou parce qu'on planifie soi-même le temps d'enseignement, on obtiendra des résultats différents. Et il existe différentes manières de parvenir à un même but. Et il y a des enseignants qui ont très bien réussi à faire apprendre leurs élèves en termes d'efficacité de pratique avec outils ou sans outils. Donc voilà, mais effectivement, la notion de durée est très très importante, et ce découpage temporel qui s'opère dans les classes est quelque chose qui demande aux enseignants une grande préparation. On n'en parle pas assez souvent, on regarde souvent les pratiques se dérouler, mais en réalité, la planification du travail est quelque chose de très très important pour les enseignants. C'est très technique. On pourra continuer tout à l'heure. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas votre intervention. En fait, il y a une technicité du métier d'enseignant. Moi, j'ai très bien suivi vos propos. Je pense que ça va, tout le monde y arrive. J'en profite pour dire qu'on vous fera passer le micro à la fin. Évidemment, si vous avez des questions, on sera ravis de vous répondre. Enfin, je crois. Je ne m'avance pas trop. Je voulais, Valérie Pertuis, puisqu'on parlait des manuels de lecture, dire un mot avec vous. Et ça permet aussi de vous entendre et de mieux vous connaître sur leur évolution ces dernières années en fonction des connaissances scientifique, et puis aussi le lien que vous faites entre ces manuels et ces livres pour lire, parce qu'on commence à lire, déjà on se fait raconter des histoires bien avant d'entrer en CP, et puis ensuite on peut commencer à lire tout seul, mais on y vient dans un instant. Alors oui, en effet, l'acculturation à l'histoire, au livre, au récit commence dès la maternelle, en fait. On a beaucoup, nous, en tant qu'éditeurs scolaires, on développe des supports justement pour ça. Et sur l'apprentissage de la lecture au CP, je dirais que l'évolution, en tant qu'éditeur scolaire, on suit toujours les programmes scolaires tels que, alors ils sont changés ou pas changés, il y a des réformes parfois, et la dernière date de 2015, avec quelques évolutions entre temps, puisque la recherche effectivement a publié, il y a eu un nouveau gouvernement. Il y a eu aussi un conseil scientifique de l'éducation nationale qui a publié des éléments appuyés sur la recherche, le fameux guide orange, en fait, qui est connu aujourd'hui de tous les enseignants. Donc, fort évidemment de toutes ces publications, les éditeurs font évoluer des supports de lecture, des méthodes, des manuels, et proposent effectivement des méthodes pédagogiques pour les enseignants qu'ils suivent plus ou moins, avec la liberté aussi pédagogique dont ils savent faire preuve pour eux-mêmes. Oui, puisqu'on a entendu, c'est ce que disait cette étude et ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qu'un certain nombre d'enseignants se passent de manuels. Pour le dire très clairement, même si beaucoup de gens qui nous écoutent sont familiers du sujet, on est allé vers une méthode syllabique qui était déjà de toute façon la méthode totalement dominante. La méthode globale, ça fait longtemps qu'elle n'est plus appliquée, mais on pouvait avoir des mots-outils. L'équilibre dépendait un petit peu des manuels. Donc un mot-outil, c'est un mot qu'on apprend à lire tout de suite, même s'il est compliqué pour pouvoir lire des texte. Bon, là, on est arrivé à l'idée que plus c'était syllabique, plus le pas à pas était assuré dans les premières semaines, meilleur. Enfin, je répète un peu ce que dit le guide orange, c'est pas forcément mon opinion, mais plus aisée serait la lecture et plus rapidement l'élève pourrait lire de courts textes. Voilà.
plus le décodage. Le décodage, pour parler avec les bons termes. Voilà. Après, la lecture, c'est aussi autre chose, c'est la compréhension en lecture, et donc c'est notamment pour les élèves de CP, la possibilité d'être mis en écoute de textes et questionné par rapport à ces textes. Et cette compréhension orale, en fait, qui commence par l'oral, s'ils ne sont pas suffisamment bons décodeurs pour aller vers... donc nous, chez Atien, on travaille avec Maryse Bianco sur la compréhension des textes, justement, sur les stratégies de compréhension de textes à développer dès les débuts en lecture. On s'aperçoit quand même que ce plaisir de lire peut, même si l'élève n'est pas encore apte à décoder des textes longs et riches de sens, on va dire, eh bien, ça entretient cette espèce de projet de lecteur dans lequel il se lance dès le début de sa scolarité à l'école élémentaire. La motivation, pour le dire autrement, Hélène Kérilis, pour lire, pour pouvoir lire, il faut pouvoir avoir des textes qui nous intéressent à lire. Ça marche pour moi, ça marche aussi quand on a 6 ans et demi, quand on est en CP et en CE1. Quel était votre projet à travers, par exemple, les livres Ma première mythologie, qui s'adresse vraiment aux tout jeunes lecteurs? Et j'ajoute toujours une petite question. Quelle est l'importance à vos yeux du vocabulaire? Parce que quand on apprend à lire, on apprend des nouveaux mots. Il faut aussi avoir un certain nombre de mots dans sa réserve intérieure pour arriver, voilà, à apprécier les textes. Mais c'est aussi en lisant qu'on en apprend. Oui, tout à fait. Je pense que la première chose que je pourrais dire, c'est que Nancy Houston a écrit un livre qui s'appelle « L'espèce fabulatrice ». Nous sommes l'espèce fabulatrice. Nous avons besoin d'histoires pour nous construire. Et ça commence quasiment dès le berceau. Donc, pour qu'un enfant trouve du plaisir à lire, pas seulement à écouter, mais à lire, il faut qu'il ait des histoires intéressantes, des histoires qui l'accrochent. Il faut en quelque sorte l'hameçonner dès le départ pour que ça marche. Et l'hameçonner dès le départ, question de vocabulaire, eh bien justement, c'est de commencer par des phrases courtes, des mots simples, pour que l'enfant rentre comme dans du beurre, en quelque sorte, dans l'aventure. Et une fois qu'il est hameçonné, c'est vrai qu'on va pouvoir lui proposer des phrases un peu plus longues, des constructions un peu plus complexes, du vocabulaire un peu plus complet. Mais commencer par des phrases courtes, des mots simples, mais en démarrant une histoire qui prend le lecteur, ça veut dire qu'entre chaque phrase, l'enfant va pouvoir en quelque sorte reposer ses neurones, se dire « ça y est, je l'ai compris, je peux aller à la phrase suivante ». Et au fur et à mesure qu'il découvre ces phrases simples, qu'il les comprend et qu'il commence à construire l'histoire dans sa tête, il respire entre chaque, ses neurones se reposent en quelque sorte, il a le temps de rentrer l'information et après il est plus apte à commencer une phrase un petit peu plus longue et de remettre de temps en temps dans le récit des phrases courtes, à chaque fois pour un enfant qui a du mal à lire, voir que la phrase, parce qu'il le voit visuellement, que la phrase est courte, et ben pour lui c'est un bonheur. Il se dit « Ah, là j'ai pas une phrase trop longue à lire, je vais pouvoir comprendre ». Donc il se repose sur cette phrase plus courte, à la fois pour le décodage et la compréhension. Et ensuite, il a à nouveau ses neurones disponibles, en quelque sorte, pour faire le bond dans une nouvelle phrase qui, elle, sera plus longue. Donc voilà, je fais très attention lorsque j'écris pour la première mythologie qui s'adresse à deux enfants de 6, 7, 8 ans. Je fais très attention à ça. Rendre la lecture ennuyeuse, bien sûr, pas trop simple. Mais je me dis, j'essaye de me mettre dans la peau d'un enfant qui a du mal à lire. Et je me dis, là, est-ce qu'il ne va pas décrocher? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne décroche pas? Parce que si on veut qu'il ait accès ensuite à des problèmes moraux, psychologiques, sociologiques, etc., bon, y a des tas de choses à tous les niveaux. Dès 5 ans, on peut se poser des questions comme ça. Ben, il ne faut pas qu'il lâche le bouquin. Donc, il faut d'abord que le premier but qu'on se donne, c'est je veux que l'enfant lise le bouquin jusqu'au bout. Et pour ça, ben, il faut toutes ces petites techniques.
Je garde une petite question sur le rythme pour Jérôme Rioux. J'ai quand même envie de vous poser tout de suite une autre question sur les thèmes. Parce que vous dites des grands thèmes moraux. Évidemment, la mythologie, ça, c'est efficace aussi pour donner du plaisir de lire, de mettre de l'enjeu dans les histoires. Ben, il faut, je pense que pour qu'un enfant s'intéresse à une histoire, il faut que ça le touche d'une manière ou d'une autre. Et de ces grands thèmes mythologiques sont, touchent les enfants parce qu'il y a, par exemple, des notions de jalousie. Il y a toujours, dans les cours d'école, dans les familles, des jalousies entre enfants. Il y a des questions d'amitié, de solidarité. Et on retrouve ça, nous, dans notre vie quotidienne. Donc, je pense que ces mythes sont encore valables de nos jours, si je puis dire. Tout simplement parce qu'ils nous interrogent en tant qu'être humain global depuis la naissance des êtres humains. Et donc, on peut les relire avec notre sensibilité du XXIe siècle et y trouver, y puiser toutes sortes de leçons qui nous aident à vivre. Et c'est le cas aussi pour les enfants. Dans ces mythes, on trouve tout ça. Alors Jérôme Rioux, sur à la fois peut-être le fond aussi, mais cette forme assez subtile, là aussi, c'est un peu technique, évidemment, on a tout compris, mais le rythme des phrases longues, des phrases courtes, pour donner du plaisir dans une certaine aisance accessible. Oui, c'est une question qui est un peu compliquée, peut-être, en tout cas pour y répondre rapidement, parce que moi, je sens derrière tout ça qu'il y a des enjeux pédagogiques et didactiques très forts. Et ils sont certainement très nombreux aussi. Donc, derrière, il y a sûrement l'enjeu didactique et ou pédagogique, appelons-le comme on veut, peu importe, qui consiste à proposer aux élèves des textes qui soient riches sur le plan du sens, et qui ne soient pas des pseudo-textes. Et donc ça, c'est un enjeu assez fort pour une grande partie des enseignants, que de faire en sorte que les supports qu'ils utilisent pour enseigner la lecture soient des supports quelquefois issus de la littérature de jeunesse, pas spécialement produits pour l'enseignement de la lecture, ou produits, mais avec la visée d'enseignement en conservant l'aspect littérature de jeunesse. Donc il y a ça. Il y a l'idée qu'il y a ces phrases qui pourraient être au début simples, et puis d'autres qui pourraient se complexifier par la suite. Alors est-ce que c'est l'histoire d'un livre, ou est-ce que c'est l'histoire d'une progression sur un emprunt temporel qui est plus long? J'opterai pour l'instant pour la deuxième option, c'est-à-dire qu'à mon avis, la progressivité peut se faire sur plusieurs livres peut-être. Donc c'est plutôt dans le choix d'un livre que les enseignants vont percevoir si les tournures syntaxiques, les structures, le vocabulaire qui est utilisé, la thématique qui est utilisée va correspondre au niveau des élèves qui est le leur au moment où ils enseignent. Et peut-être que sur un autre livre après, ils vont se dire, ben celui-ci maintenant est plus adapté à mes élèves parce qu'ils ont lu un premier livre et qu'ils sont arrivés à le faire assez facilement. Donc il y a l'histoire de l'empreinte temporelle aussi. Et puis il y a sûrement, pour des niveaux qui sont des niveaux où les enfants apprennent à lire de manière autonome, eh bien, cet enjeu qui consiste à dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser du texte qu'ils reproposaient pour pouvoir faire cette lecture autonome. Donc oui, ça dépend peut-être de plusieurs livres, ça dépend de la temporalité, ça dépend du niveau de scolarité. Et puis, comme on est dans un continuum des apprentissages, effectivement, est-ce qu'on a des livres uniquement pour comprendre au début ce qui se passe à l'école maternelle? Tout à l'heure, c'est allé un peu vite, mais peut-être que de penser qu'on démarre par la correspondance graphème-phonème avant d'aller vers la compréhension, ce n'est pas la logique de l'école. La logique de l'école, c'est de dire que tout petit à l'école maternelle, on va lire des livres aux élèves et qui sont quelquefois plus complexes que ceux qu'ils vont lire seuls quand ils vont rentrer au CP. Et donc cette logique de d'abord le décodage puis la compréhension, elle ne tient pas à l'école puisque c'est d'abord la compréhension puis le décodage et la compréhension. Et comment est-ce que les enseignants vont pouvoir jouer avec tout ça et alterner tout ça? C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de leur découpage temporel. Qu'est-ce que je peux faire avec mes élèves? Dans quelle situation? Combien j'y consacre de temps pour faire en sorte qu'ils soient les plus performants en lecture? Donc voilà, c'est... Je suis peut-être pris un peu de recul par rapport à ça. Je n'ai peut-être pas répondu tout à fait à la question. Mais en tout cas, pour moi, il y a plein d'enjeux à tous les niveaux que je viens de citer là. Ce qui m'intéressait, c'était le rythme aussi. Votre réponse était très intéressante d'ailleurs, mais le rythme du texte, c'est-à-dire des phrases plus difficiles, des phrases plus faciles, pour en quelque sorte reprendre son élan, son souffle en tant que tout jeune lecteur. Quand même à condition que ça corresponde à un mouvement dans la signification du texte. Dans la cohérence de l'histoire. Il faut que, voilà.
Je ne vais pas faire des phrases courtes ou des phrases longues juste parce qu'il faut faire des phrases courtes ou des phrases longues. Il faut que ça s'adapte à ce qu'on a à raconter, naturellement. Ce n'est pas, c'est pas systématique. Voilà. Mais cette variété, elle est possible pour rendre les choses plus faciles. Je fais attention à cette variété pour rendre les choses plus faciles, mais sans sacrifier le sens. Ça, c'est primordial. C'est bien de le repréciser. C'est ça, c'est-à-dire que la logique de phrases courtes et phrases plus longues, elle ne tient pas forcément quand on écrit tout le temps. C'est peut-être un choix d'écriture à certains moments quand on sent que c'est possible, mais est-ce que c'est tenable tout au long du récit? C'est pas sûr. Et en fait, tous les auteurs ne fonctionnent certainement pas selon ce principe-là. Et donc, on se retrouve confronté à des textes issus de littérature de jeunesse qui ont vraiment des formes très variées. Quelquefois, c'est la thématique, souvent la thématique qui est privilégiée, les émotions, etc. Et il n'y a peut-être que les textes qu'on veut faire ressembler à des textes de littérature de jeunesse, mais qu'on adapte pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture, qui, eux, ont des formes particulières. Ça existe, Céline Alvarez, par exemple, je ne sais même plus chez quel éditeur c'est, a publié des contes avec des mots en rouge, en vert, pour simplifier l'accès à la lecture. Mais c'est vrai que du côté de l'édition jeunesse, on est tout à fait frappé par ce qu'on peut lire à ses enfants, qui est d'une richesse infinie. Il y a vraiment tout, des histoires avec des enjeux très forts et un grand plaisir à partager ses lectures à la maison et puis à l'école, surtout en groupe avec les uns et les autres, à en parler. Finalement, est-ce que on peut retrouver ce plaisir si intense? D'ailleurs, lire, en fait, lire à voix haute, ça continue même au collège. Serge Boimard, le psychologue, lit la mythologie à des élèves de 6e pour les motiver dans leurs apprentissages. Est-ce que ce plaisir peut se retrouver dans les premières lectures et même les manuels? Alors, oui, enfin, je l'espère. Et comment faire? Et on en a des témoignages, puisque évidemment, on regarde comment nos manuels sont utilisés et comment les enseignants s'en emparent. C'est dans le choix des textes, notamment dans les manuels de français, que ce soit, mais même sur la lecture, là je pensais en vous écoutant, aux albums que nous avions choisis pour une méthode de lecture qui s'appelle Ribambelle, les premiers albums dans lesquels est plongé justement l'enfant, J'ai rêvé que, Une mamie en or, des textes qui va pouvoir décoder lui, en fait, au fur et à mesure de son apprentissage, mais surtout qui l'engage, enfin, dans lequel il y a un affect assez important. Et ça, c'est le début, effectivement, du parcours. L'affect important, il peut être aussi dans le choix de certains textes dans lesquels les enfants vont pouvoir se transférer davantage. Pour, par exemple, enfin, j'ai un autre exemple. On a des objets d'études en CM1, CM2 comme héros et héroïne. Et pour notamment que cet objet d'étude soit concret par rapport à des lectures, on a fait des choix de littérature jeunesse dans lesquels, en fait, ce sont des récits historiques, mais le héros et les héroïnes sont des enfants. C'est-à-dire que c'est aussi une manière, je pense, de les engager clairement dans le plaisir, dans le transfert, dans le plaisir. Et je rejoins Hélène Kérilis qui disait qu'effectivement, les états émotionnels ou les dilemmes moraux, les enfants aiment beaucoup la mythologie. En fait, ce sont des choses qu'on met aussi dans nos manuels scolaires. D'abord parce que ça forge le débat. Enfin, c'est la lecture qui permet aussi aux enseignants de faire circuler la parole sur du débat, de l'interprétation, du comment j'aurais fait. On va un peu au-delà de la lecture seule. Là, en fait, tout au long de la scolarité, au primaire, on va faire en sorte que les enfants, effectivement, aillent vers une lecture partagée, en fait. La lecture à voix haute, qui est entraînée, certes, mais une lecture partagée, voire jouée dans les dialogues. Il y a des modalités, des activités vraiment d'une variété folle que les enseignants peuvent mettre en place dans les classes, qui donnent du plaisir aux enfants.
donner du plaisir et du sens à la lecture. Et finalement, cette question de sens, elle m'a énormément interrogée en préparant cette table ronde. En fait, l'après-midi est intitulé « La lecture et la réussite des enfants ». Et je pense que nous avons un rapport assez ambivalent à la lecture. On l'a dit, bien lire tôt, c'est la garantie de réussir ses études et peut-être sa vie. Quels enjeux. En même temps, finalement, le plaisir, là, est relativement... Enfin, s'éloigne un petit peu. Et si la lecture est un enjeu purement scolaire, est-ce que le plaisir ne peut pas se retrouver un peu oublié? Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait dans les classes où vous étiez, mais dans ce qu'on observe aussi, dans ce qui est fait, est-ce que ce sens, finalement, il est si clair pour les adultes? Parce que si on lit pour être un bon élève, est-ce qu'on ne risque pas de se limiter dans sa pratique et peut-être de laisser tomber si on voit que ça ne marche pas bien? En tout cas, à l'école, il est évident que les enseignants doivent faire avec un compromis tout le temps entre ce qui relève du didactique et du pédagogique et ce qui peut relever plus du plaisir, de la motivation, de l'envie de lire. Donc ça, à l'école, forcément, il faut le gérer. Il faut le gérer en prenant des décisions, en faisant des choix. Et quelquefois, ce sont des choix qui sont difficiles pour les enseignants entre des textes qu'on aimerait bien proposer aux élèves, mais pour lesquels on estime que le niveau est trop élevé pour eux pour l'instant, et puis d'autres qui nous paraissent moins porteurs, moins motivants, qui vont moins stimuler peut-être l'envie de lire chez les enfants, mais qui correspondent davantage aux objectifs qu'on vise pour eux, aux buts qu'on souhaite qu'ils atteignent dans un futur relativement proche. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, probablement pour tous les enseignants qui aimeraient pouvoir développer les deux en même temps et trouver des situations qui soient favorables à ça. Et pour eux, ça pose la question vraiment des supports d'enseignement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut complètement détacher la partie compréhension de la partie déchiffrage et décodage? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Il y a eu plusieurs recherches qui ont été conduites à ce sujet, certaines disant que oui, il fallait qu'on ait des supports très différents pour justement qu'on ait d'un côté des textes très très riches qui donnent envie de lire, qui donnent du plaisir, qui fassent travailler sur les émotions, etc., sur les états mentaux des personnages, et puis d'un autre côté, des textes peut-être moins riches, mais sur lesquels on puisse s'entraîner à décoder, à déchiffrer. Je ne suis pas sûr qu'on ait résolu ce problème jusque-là, peut-être que dans certaines méthodes de lecture, le choix a été fait déjà. Quand on regarde les méthodes de lecture, on voit qu'il y a des parties prises par rapport à ça. Mais pour d'autres, ça reste un peu encore compliqué et on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Ce n'était pas tout à fait la question que je posais, parce qu'être mis en échec par rapport à la lecture assez tôt, c'est aussi être potentiellement mis en échec dans sa scolarité future. C'est quelque chose qui pèse très lourd pour les enfants, mais pour leurs parents, sans savoir très bien si la lecture, c'est pas juste quelque chose qui sanctionne une forme de succès scolaire, alors que on nous dit aussi oui, on lit par plaisir, pour lire pour soi, c'est super. Finalement, si on a des mauvaises notes et qu'on lit mal, voilà, ça, on reste dans quelque chose qui finalement stérilise le sens de la lecture, au fond. Oui, effectivement, mais en fait, à l'école, en tout cas, on a besoin d'évaluer des choses, donc on peut pas se passer de cette évaluation de ce qu'on appelle les compétences qu'il faut maîtriser à tel et tel niveau. Alors, je serais un petit peu, pondéré sur le fait que si ça se passe pas très tôt, ça se passe pas, parce que vous avez vu dans la présentation de Grégoire Borst, c'est une évolution continue dans l'apprentissage. Ça s'arrête pas à 7 ans quand on a passé le CP, on continue d'apprendre à lire aussi après. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'on est obligé d'évaluer ses compétences. Alors peut-être qu'on peut le faire sans que ça apparaisse comme une sanction. C'est-à-dire qu'on peut le faire en évaluant au quotidien les niveaux de lecture des enfants, faire attention à certaines injonctions, par exemple, qui nous demandent de faire lire les enfants très vite, comme si c'était un but à atteindre. On est en train de réfléchir quand même à l'idée que la lecture, c'est pas que la vitesse, c'est l'intonation, c'est le phrasé. Donc il y a quelque chose derrière qui peut-être est à rechercher, qui rend la lecture plus acceptable pour les enfants. Et on n'est pas dans un chronométrage avec à la fin une sanction qui va tomber. Enfin, ça, c'est les évaluations, puisque c'est le nombre de mots par minute, les évaluations actuelles. Ben oui, mais peut-être qu'il faut se poser des questions autour de ces évaluations. Il faut peut-être les remettre en question. Je suis d'ailleurs assez contente que vous les posiez, parce que c'est toujours un bon élément à porter
au débat. Voilà, on a changé de ministre, il n'est pas là pour répondre. On verra ce qu'il advient de ces évaluations nationales où on chronomètre aussi la vitesse de la lecture. Parmi d'autres indicateurs, on peut prolonger cette réflexion sur le sens et l'évaluation, puisque finalement... Évaluer, c'est aussi sanctionner, souvent, enfin, dans notre culture collective, ça peut être différent. Cette question, est-ce que les éditeurs d'éducation, est-ce qu'on se la pose, par exemple, notre maison d'édition Valérie Pertuis ? Bien sûr qu'on se la pose sur l'évaluation. D'ailleurs, en fait, il y a eu des... on a fait, une proposition, quand les évaluations sont sorties, d'un livret d'entraînement à la lecture fluide, interprétant la fluidité en lecture, non pas uniquement comme la rapidité, mais justement, comme le dit Jérôme Rioux, mettre le ton à un texte, lui donner du sens dans la lecture, et du coup, peut-être ralentir le débit par rapport justement au sens qu'il a, ce texte, dans les dialogues et dans les jeux. Et en fait... ça, c'était aussi de l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aussi aux enfants de se prononcer sur la façon dont eux ont senti qu'ils avaient lu. Est-ce qu'ils se sont sentis à l'aise ou pas ? Donc, il y a des propositions d'évaluation qui sont loin d'être sommatives et purement scorées, entre guillemets. L'évaluation formative, pour parler en jargon éducatif, que je maîtrise aussi, mais j'évite de trop l'utiliser. Justement, avec vous, Hélène Kérilis, quand vous allez dans les classes, on sort de tout ce qui est évaluation, on est plus dans le plaisir. Vraiment une question toute simple, comment vous le ressentez, en fait, cette joie ? Alors, c'est une chose que j'adore faire, c'est-à-dire que quand je fais des rencontres scolaires, bon, bien sûr, on explique ce que c'est que le métier d'auteur, comment on fait des recherches, comment on fait des brouillons, comment on fabrique un livre, l'imprimeur, etc. Bon. Mais après, la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, c'est à la fin, quand les enfants m'ont montré ce qu'ils ont fait, lorsqu'on a échangé sur différents points. À la fin, en général, les enseignants me demandent de lire un extrait de texte ou un texte complet, comme peut-être si on a le temps. On va vous écouter tout à l'heure. Voilà. Et c'est un bonheur pour moi, j'adore faire ça, j'adore lire comme ça. Bon, j'ai fait un petit peu de théâtre, un petit peu de formation sur la voix, donc ça m'aide aussi. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais très peur. Maintenant, ça va, je maîtrise un peu mieux. Mais il faut donner de l'émotion à travers ces lectures. Et c'est vrai qu'on parlait de la vitesse de la lecture, mais je voudrais dire, mais quel poids a le silence quand vous lisez, que vous arrêtez pour mettre en valeur un autre morceau de l'histoire, ben, ça prend du temps, mais alors, ça donne un autre poids à ce que vous dites ou à ce que vous lisez. Donc, le ton, mettre le ton, prendre le temps, ça me paraît très important. Et lorsque je rentre à la maison et que j'ai des retours des enseignants qui m'ont demandé cette lecture, ils me disent, mais écoutez, depuis que vous êtes partis, ils se sont jetés sur les livres. Mais je me dis, ça y est, j'ai rempli ma mission. Ma mission, c'était ça. C'était qu'ils aient envie de lire, ces enfants. Et surtout, je me dis, si parmi les enfants que j'ai rencontrés, il y en a un seul qui n'aimait pas lire et qui a envie de lire après mon passage, je me dis, là, j'ai gagné. Et ça fait partie, évidemment, du plaisir qu'on peut avoir à l'école, dans les apprentissages autour de la lecture. Ça peut concerner d'autres pans de ce qu'on fait en classe. Je voulais parler justement, à propos d'autres pans, de l'écriture. Parce qu'on apprend aussi à écrire en même temps qu'on apprend à lire. Décodage, encodage, pour parler un peu en jargon. Cet apprentissage, il est très utile, en fait, à l'apprentissage de la lecture. Ça marche ensemble. Comment ? Enfin, si, je sais que c'est très très long à expliquer, mais si vous pouvez faire un petit résumé ou nous donner deux trois trucs pour comprendre, Jérôme Rieu. Alors, depuis très longtemps dans les programmes, il est écrit plutôt que la lecture et l'écriture sont deux activités indissociables. Et pour l'instant, c'est vrai que dans les classes, on a tendance à les voir quelquefois dissociées. Et donc, on s'interroge beaucoup sur la manière dont on peut travailler pour qu'elles apparaissent plus associées qu'elles ne le sont actuellement. C'est vrai que là, il faut reprendre un petit peu le fil des apprentissages en se plaçant peut-être
à l'école maternelle dans un premier temps, et en se disant que c'est là que les élèves vont faire leurs premières expériences d'écriture. Alors dans l'écriture, il faut quand même dissocier ce qui relève de la calligraphie, la copie, de ce qui relève de ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'encodage, c'est-à-dire ces moments où les enfants vont choisir les graphèmes qu'il va falloir écrire pour que ça corresponde à ce qu'ils ont envie d'écrire ou à ce que le maître ou la maîtresse dicte. Et donc, on peut avoir comme ça, on peut différencier comme ça différentes activités d'écriture. Alors, c'est vrai que celle qui consiste à faire encoder les élèves, autrement dit, à leur faire écrire ce qu'ils ont envie d'écrire ou à les faire écrire sous la dictée, en n'ayant pas sous les yeux ce qu'il faut écrire, sont des activités qui sont très propices à la construction des correspondances graphème-phonème, ce dont Grégoire Borst parlait tout à l'heure. Et peut-être même plus que les activités de lecture. Autrement dit, c'est quand les enfants vont être en situation de chercher par eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'écrire, qu'ils vont construire ces liens entre ce qui s'entend et ce qui se voit sur la feuille. Et au-delà de ça, au-delà des correspondances graphèmes-phonèmes, les phonèmes qu'on entend et donc qui se traduisent par des graphèmes qu'on voit, il y a aussi les graphèmes qu'on n'entend pas. Ce sont pas des phonèmes. En français, Dieu sait s'ils sont nombreux. Les lettres muettes. Et donc, du coup, ces lettres muettes, on va pouvoir les interroger en situation d'écriture. On les interroge un peu moins en situation de lecture, sauf si l'enseignant fait un effort particulier pour demander aux élèves d'interroger ces lettres. Quelquefois, dans les méthodes de lecture, on les voit apparaître en gris. Ça signifie à l'élève que ce n'est pas la peine de les lire, elles ne se prononcent pas. Ça peut être utilisé, mais ça peut être dommageable aussi si jamais on ne va interroger la signification de ces lettres. Elles ont des valeurs qui sont différentes de celles des phonèmes, mais elles ont des valeurs lexicales, des valeurs grammaticales, donc on doit pouvoir interroger avec les enfants pour savoir pourquoi elles sont là. Et dans l'activité d'écriture, on va devoir les écrire si on veut écrire de manière normée. Donc ça va demander à l'enfant soit d'interroger, est-ce qu'il y a quelque chose à la fin, parce que dans les mots, il y a quelque chose à la fin, des fois, je sais qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être chercher des mots de la même famille pour voir si on trouve la lettre qui doit être à la fin. Et donc tout ça, ça permet à l'enfant vraiment de s'intéresser au fonctionnement du système orthographique. Donc dans ce sens-là, parce que ça permet d'enregistrer les correspondances lettres-sons et parce que ça permet de s'intéresser au fonctionnement du système orthographique, il est très intéressant de démarrer très tôt des activités d'écriture. Ça peut poser problème. Parce qu'on enseigne au CP de manière systématique les correspondances entre les lettres et les sons, et qu'à la maternelle, elles ne sont pas demandées à être enseignées de manière systématique. Néanmoins, on peut en présenter certaines pour que les enfants comprennent bien ce fonctionnement, le fonctionnement de la langue. Avant d'entrer au CP, il faut que l'enfant ait compris le principe alphabétique, autrement dit que l'oral pouvait être codé à l'écrit, et que l'écrit, ça codait de l'oral, et qu'il y avait des correspondances entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. Et à l'école maternelle, donc on peut accompagner les enfants dans ce travail d'écriture, soit parce qu'on prend des petits groupes et ils vont nous dire ce qu'ils ont envie d'écrire, on peut leur répondre instantanément, ou bien on va créer des référentiels de mots qui vont pouvoir les puiser lorsqu'ils en ont besoin. Et ça demande quand même un temps de travail qui est relativement long, il faut le construire petit à petit, ce référentiel, pour que les enfants puissent aller chercher ce dont ils ont besoin pour écrire. Mais je pense que là, il y a vraiment un enjeu, on a quand même des résultats pour le cours préparatoire, qui montre que les enfants qui sont en capacité donc d'écrire, enfin qu'on fait écrire, pardon, souvent, qu'on fait encoder souvent, obtiennent de très bons résultats à la fois en lecture et en orthographe. Donc il faut écrire. Quid de l'écriture créative qui vient un petit peu après? Je ne sais d'ailleurs pas exactement en quelle classe. C'est le fait de commencer à écrire des petites histoires, petits événements, raconter quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est important aussi? Bien sûr, on peut commencer relativement tôt. Il y a des propositions d'écriture sur des qu'on appelle écriture générative, où on propose quand même pour les enfants qui sont assez jeunes un cadre de travail. On ne leur fait pas tout écrire, mais on leur fait modifier des textes et aller chercher des mots qu'ils ont envie d'intégrer dans ces textes-là. Et ça permet bien sûr de la création, puisque les enfants écrivent le texte qu'ils ont envie d'écrire. Mais pour soulager leur tâche, parce que c'est quand même une tâche un peu complexe pour des enfants relativement jeunes, on va les faire écrire à partir d'une trame. Ça peut être une aide. Bien sûr que les enfants qui sont en capacité d'écrire seuls, on va les laisser écrire seuls. Mais pour d'autres qui ont besoin d'être aidés, soit on passe par des trames d'écriture, soit on va stimuler l'écriture en faisant d'abord un travail oral. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour que les enfants se rendent compte de ce qui est possible de faire avant qu'on les laisse peut-être écrire seuls si on estime qu'ils ont les outils pour le faire
et les capacités pour ne pas être ennuyés par cette tâche qu'on leur demande qui serait trop difficile. Ce serait embêtant qu'ils se retrouvent confrontés à une tâche qu'ils n'arrivent pas à résoudre et pour laquelle on les met en difficulté. Donc à l'école, on essaie toujours de peser ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Et bien sûr, dès lors que les enfants peuvent s'exprimer seuls, on les laisse s'exprimer seuls. C'est pour ça qu'on dit que la pédagogie est un art. Je me tourne de nouveau vers vous, Valérie Pertuis, pour parler aussi de ce qu'on sait des pratiques de lecture des enfants. Alors, pas seulement au moment de l'apprentissage de la lecture, plus tard, puisque si on apprend à lire, c'est pour lire dans le temps. Pratiques dont on sait qu'elles sont liées à l'origine sociale, beaucoup, au genre aussi, et que ça change pas tellement. Non, ça ne change pas tellement. On a eu le résultat d'une étude menée par le CNL et Ipsos en mars cette année, dont Le Monde s'est fait effectivement le relais, qui montre effectivement qu'il y a, quand même, 90% des jeunes, on va dire, puisque c'était l'échantillon qui était comme ça, de 7 à 19 ans, en fait, donc c'est très large, hein. 9 sur 10 se disent lecteurs quand même, mais on s'aperçoit qu'il y a un décrochage effectivement à partir du collège, 13-15 ans, ça baisse, et ça baisse particulièrement chez les garçons. Alors ça m'a fait penser justement enfin, à ce que Grégoire Borz disait sur l'idée qu'il n'y avait pas de compétences forcément plus mathématiques et de cerveau plus littéraire et en même temps effectivement on spécialise quand même à partir du lycée on spécialise beaucoup les élèves et voilà et moi je me dis pourquoi pas du français et de la littérature obligatoire pour tous jusqu'en terminale jusqu'au bac enfin voilà bon, enfin, c'est mais en envoyant le message qu'on est soit scientifique soit littéraire on prive peut-être beaucoup de gens de la lecture. Pourtant, la lecture, on disait, peut réduire les inégalités. Absolument. Donc, c'est un enjeu manifeste. Ça se joue avant le collège, on imagine, où les élèves décrochent un peu plus, sont plus nombreux à lire moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles propositions peuvent être faites du côté des éditeurs, côté manuel, côté littérature aussi? Alors, en fait, pour aider, notamment, on propose beaucoup nous d'activités de différenciation pour aider les enseignants, justement, à accompagner en fait les élèves selon qu'ils ont repéré telle ou telle difficulté. On en a parlé tout à l'heure, mais les évaluations nationales donnent aussi des éléments en CP, fin de CP, et début de CE1 pour identifier en fait les élèves qui seraient un petit peu plus fragiles. Et là, en fait, il y a des activités justement d'entraînement, individualisées aussi, parce que finalement, il y a ça. Et j'ai envie de dire que l'école ne peut pas tout. L'idée d'associer les parents est importante. C'est pour ça aussi qu'on fait parfois des offres d'albums ou de livrets d'entraînement qui peuvent aller dans les familles et avec des adresses aux familles. C'est-à-dire quelque chose qui permet aux parents de s'impliquer aussi dans le support finalement de l'école. Oui, sachant que l'indice le plus pertinent, en quelque sorte, pour faire lire les enfants, c'est que les parents lisent. Ça reste important. Donc, lisez devant vos enfants. Ouais. et voilà, après, ce n'est pas forcément une pratique qu'on peut forcer quand on l'a pas. On peut aussi essayer de la favoriser autrement avec le collectif. Et je voulais, avant de prendre des questions, finir avec vous sur cette idée, puisqu'on n'a qu'une heure, Hélène Kérilis, sur l'idée. Et à mon avis, c'est la révolution silencieuse de la lecture. C'est qu'on est passé à une vision beaucoup plus collective de ce que c'était que le plaisir de lire, avec ces auteurs qui se rendent dans les classes, avec des groupes de discussion autour des livres, ça permet de travailler l'oral en même temps, puisqu'on se parle des histoires, on débat. C'est pas quelque chose que j'ai connu, par exemple, élève, et qui me semblait présent dans les précédentes générations, qui aujourd'hui est au service, me semble-t-il, du plaisir de lire. Est-ce que c'est ce que vous expérimentez? Oui, tout à fait. Je pense que
une lecture partagée, que ce soit au sein de la famille, par exemple, entre les parents et les enfants, les frères et sœurs, la fratrie, que ce soit entre enfants au collège, que ce soit aussi parce que chaque groupe d'enfants va lire un chapitre et en parler au groupe d'à côté, et ensuite échanger sur ce qu'ils inventent, sur la suite possible, etc. Ou la lecture partagée avec, quand j'interviens, par exemple, dans des classes. Leur intérêt, me semble-t-il, principal, bien sûr, c'est le plaisir, etc., mais leur intérêt principal, c'est l'échange humain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se parle d'être humain à être humain, et à travers l'analyse que l'on fait ou les réflexions que l'on fait sur ce que l'on a aimé, pas aimé, pourquoi, est-ce qu'on aurait fait telle chose à la place de tel personnage, etc., tout ça, ça permet aux êtres humains de confronter leurs idées, de confronter leurs ressentis, leurs émotions, et donc d'apprendre à vivre aussi en collectivité, d'apprendre à vivre par un échange, et non pas, par exemple, en utilisant ses points, mais en utilisant tout ce qu'on a à partager à partir d'un livre. Donc oui, une lecture partagée, son intérêt par rapport à la lecture solitaire, qui a aussi un intérêt majeur, hein, moi qui suis une grande lectrice, mais avoir une lecture partagée avec d'autres, ça permet aussi de prolonger ce plaisir qu'on a eu avec un échange interhumain. Voilà, c'est ça que je trouve fondamental. C'est toujours du lien, la lecture. Je crois voilà. Même quand on lit seul, en fait. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interventions, des idées à nous partager? Ah oui, il faut qu'on vous donne un micro. Oui, alors, j'ai son numéro de portable, je peux le revendre extrêmement cher. Merci. Bonjour. Juste pour rebondir sur ce que disait Madame Kérélis, donc moi je suis chargée des publics scolaires dans une médiathèque dans l'Aude et j'interviens également beaucoup dans les classes et j'ai le même ressenti et on a quand même beaucoup de mal à travailler avec les enseignants parce que il y a des histoires de budget de bus, etc. Donc le rapport là avec le livre, quand des fois on reçoit des classes, on voit des enfants qui ont beaucoup de mal avec ce rapport, on voit qu'ils ne connaissent pas l'objet livre. Donc on fait des visites de classe où on fait la découverte du livre, etc. Et quand ils ont un livre dans les mains, des fois ils peuvent marcher sur les livres, etc., notamment les maternelles. Donc c'est vrai que ce travail, les enseignants ont beaucoup de mal à des fois, faute de budget, etc., de venir dans les médiathèques. Ils nous oublient un petit peu, nous, on est quand même médiateurs du livre, et on a décidé, nous, notre collectivité, de se déplacer, notamment après les périodes de confinement, se déplacer beaucoup plus dans les classes en emmenant des malles, etc. Et on travaille avec, par exemple, le prix des incorruptibles, ou les enseignants, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des CM2, n'ont pas le temps de lire les sélections. Donc, moi, je leur propose de venir lire des extraits d'une sélection. Et c'est vrai que l'enseignant, par exemple, va distribuer la liste de livres après. Et il y a un échange qui se fait. Et les enfants ont vraiment envie parce qu'on les capte comme ça en lisant des petits extraits. Et c'est vraiment là, on est là dans la lecture plaisir. Il faut les hameçonner au départ. Quand on a enclenché le truc, après, ils ont envie. Voilà, donc il faut démarrer par ça. Et donc, il faut démarrer par la lecture plaisir. C'est tout confondu, le fait de comprendre, d'encoder, etc. Et c'est submergé par le plaisir, et à ce moment-là, ça passe tout seul. Ça n'existe pas, hein, les enfants qui n'aiment pas qu'on leur lise des histoires. Enfin, moi, j'en ai jamais rencontré. Mais ça pose la question des inégalités sociaux. Spatiale, parce que évidemment, on n'a pas tous une bibliothèque en bas de chez nous. Et cette question, c'est voilà, une question politique. Bon, le maire est parti. Alors, apparemment, il y a des bibliobus à Toulouse, mais au sein d'un département rural comme le vôtre, ça pose évidemment question. Et ça, mais peut-être que je peux me tourner vers vous, Jérôme Rioux, c'est sur, en fait, ces enfants, parce que c'est pas mal qu'on reparle des inégalités sociales, qui connaissent pas très bien l'objet livre, parce qu'ils n'ont pas de livre chez eux. Moi, récemment, j'avais interviewé
enfin, je ne sais plus quel était son rôle chez McDonald's. Parfois, on n'a que les livres McDo. D'ailleurs, ils sont faits avec le CNL, le Centre National du Livre. Donc, bon, voilà, mais chez soi. Mais oui, c'est ça un problème. Effectivement, la littératie débute dans les familles avant d'être à l'école. Donc, la littératie émergente, c'est les familles. Et donc, dans les familles, si on a pris l'habitude de lire des histoires, forcément, les enfants sont acculturés à ces histoires, aux livres, à l'écrit, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est écrit, c'est différent du... Le langage écrit est différent du langage oral. Et donc, cette acculturation, étant, si elle est faite en amont ou pendant même les premières années de scolarité, forcément, les enseignants ont moins à travailler cet aspect. On se retrouve donc dans des classes dans lesquelles on a des enfants qui sont habitués à entendre des histoires lues par les parents, qui sont habitués à manipuler les livres, qui ont compris la fonction de l'écrit, ou les fonctions de l'écrit plutôt, et d'autres enfants pour qui c'est plus compliqué. Et du coup, ça crée forcément au démarrage déjà des différences dans une classe, parce que dans une classe, il n'y a pas un cerveau, mais 25 cerveaux qui travaillent. Et donc, du coup, ça demande des adaptations pour les enseignants à ce public qui est forcément hétérogène. Il est toujours hétérogène, mais quelquefois, l'hétérogénéité est plus grande dans certaines classes que dans d'autres. Et effectivement, ça débute par ça. Voilà, on peut plébisciter évidemment les sorties à la bibliothèque. J'en ai fait une jeudi dernier avec des maternelles. Ce n'est pas triste, mais c'est super. Donc, évidemment, pour le plaisir d'être ensemble aussi, mais je voulais, et c'était en deux temps hein, ma question, aussi parler des livres dans les classes. Valérie Pertuet, alors vous n'êtes pas responsable personnellement de ça, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que chaque classe ait sa petite bibliothèque ? Je trouve ça incroyable qu'il y ait des classes où il n'y ait pas de bibliothèque en France, et ça existe. Mais moi aussi, je trouve ça incroyable. En fait, il y a quand même beaucoup de bibliothèques de fond de classe, hein, quand même. Je dirais que... Allez, on peut espérer que c'est une majorité. Mais effectivement, il y a un manque budgétaire. Alors, c'est aussi, une politique d'achat qui va parfois se tourner vers des manuels, vers des outils pédagogiques. Vous savez, en fait, il y a énormément besoin de support pour enseigner à l'école primaire. Pas uniquement d'ouvrages albums, hein, c'est peut-être ce qui va être sacrifié finalement comparé à un besoin de matériel pour manipuler en mathématiques, un besoin manuels scolaires parce qu'il y a une réforme ou une actualisation nécessaire, de fichiers. Parce feutre, enfin tout ce qu'on peut avoir dans une classe. Tout, mais... Absolument. Et en fait, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement. Non, mais lecture, grande cause nationale. Il y a peut-être un sujet à porter. On a peut-être des oreilles pour entendre cette année si c'est vraiment une grande cause nationale. Eh bien, absolument. Ce sont les communes hein, qui financent effectivement les achats de fournitures scolaires et les ouvrages en font partie. Voilà, il y a ce besoin budgétaire et effectivement peut-être une aide de la part de l'État aux collectivités qui ont déjà, puisque la grande cause est nationale et que voilà. Alors, on sait que les grandes causes nationales c'est pas toujours finalement si important que ça, mais on espère plus de livres. Mais voilà. Dans toutes les classes, moi j'avais très peu de livres dans mes classes en élémentaire. Je me souviens. Est-ce qu'il y a une autre intervention? C'est dommage. Oui, Célia. Rebondir sur la remarque de madame, il y a peut-être aussi une question du temps de l'enseignant, parce que finalement, ça prend du temps de faire découvrir le livre, et c'est fou quoi, que des enseignants n'aient pas le temps de faire découvrir les livres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, puisque par ailleurs, on est sur, voilà, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à compter, on est dans la performance aussi pour les enseignants, c'est-à-dire qu'il y a un programme à remplir, et comment, voilà, un jour, on pourra aménager du temps pour aller vers le plaisir de la lecture qui passe par la découverte du livre. Donc, heureusement que vous êtes là. Mais effectivement, tous les enseignants ne vont pas, ne font pas des sorties, ne font pas venir. Donc, comment on peut réserver du temps aussi à cette découverte, tout simplement, de plaisir de la lecture? Ça, je ne sais pas si on a la réponse ici, mais... Mais peut-être aussi par le périscolaire, par exemple, avec une bibliothèque dans les écoles élémentaires. Paris est une ville riche. Il y a des bibliothèques dans les écoles élémentaires, toutes les écoles élémentaire, ça pourrait être également
généralisée, parce que là, c'est un endroit de plaisir, on n'a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation. Si on veut, on regarde les images, on ne fait que ça. Vraiment plus d'interventions ? Ah, alors, on continue. Alors. Du côté de l'édition. Bonjour, j'aimerais bien avoir l'avis de Jérôme Rioux sur les livres audio. Voilà, la place justement de la partie, quand il y a beaucoup de livres audio qui sont en vente. Il y a des coins écoutés dans les écoles aussi. Donc, quelle est la place justement de ces livres-là sur ce thème-là, c'est-à-dire le plaisir de lire aussi, sur les apprentissages. Voilà. Alors, les livres audio, vous dites, ce sont les livres que les enfants peuvent écouter, c'est ça, hein ? Donc, du coup, ils ne sont pas en activité. Enfin, ils peuvent avoir le livre sous les yeux. Ou les podcasts, pardon, je me permets, puisque Radio France, enfin, France Inter, ce n'est pas ma chaîne. Mais voilà, une collection de livres qui sont aussi proposés en audio, c'est des podcasts. Bon, moi, j'avais le truc avec Marlène Chaubert, là, on tourne la page avec le disque. Mais voilà, ça fait longtemps que ça existe, ça s'est beaucoup développé. Oui. Moi, je n'ai pas d'études hein, qui portent là-dessus pour vous dire si ça apporte quelque chose en termes d'efficacité. Sur le plan d'efficacité, je ne sais pas. Par contre, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant pour les enfants s'ils sont en train d'écouter et qu'en même temps, ils ont le livre sous les yeux, comme par exemple ferait l'adulte lorsqu'il lit devant son enfant et qu'il pointe du doigt les mots. Et on s'aperçoit que son enfant a appris à lire alors qu'on ne lui a jamais enseigné la lecture. On se dit comment il a bien pu faire. Mais quand même, il y a une activité sûrement cognitive qui se passe pendant ce temps-là. Il y a quelquefois des questions qui sont posées. Alors là, dans le livre audio, peut-être qu'après, c'est l'enseignant qui peut jouer. « Ah mais maîtresse, ce mot, il se prononce comme ça. Tu peux me dire pourquoi ?» Enfin, et à mon avis, c'est très intéressant, effectivement. Alors, à mettre en œuvre dans les classes, ça veut dire pareil, c'est toujours l'histoire du temps. On revient toujours à l'histoire du temps, contraintes et ressources. Ça veut dire que dans la classe, si on met ça en place, il faut qu'on puisse le faire pour tous les élèves. Tous les élèves en bénéficient. Ça veut dire que ce n'est pas ceux qui ont terminé en avance un exercice. Ça veut dire qu'on va, dans sa journée, prévoir un temps pour tous les élèves ou faire une alternance de passage de tous les élèves si on n'a que quelques systèmes audio et qu'on n'en a pas pour tout le monde. Et ça veut dire pour l'enseignant une organisation, une planification avec d'autres activités qui vont être là. Pendant que les enfants font ça, d'autres font ça. Et ça veut dire qu'on n'aura pas toute la classe face à soi à ce moment-là. Et donc, il faut le planifier. Donc tout ça, forcément, ça rentre dans la logique d'organisation du travail de l'enseignant. Et si ça y est, je pense qu'il l'utilise. Hein. Par contre, certains n'en bénéficient peut-être pas dans les classes, je ne sais pas. Alors, je vais faire une réponse pas très scientifique. Je pense que ça doit, c'est sûrement très bien, mais pas au détriment de la lecture incarnée par les parents, des adultes, les enseignants. Parce que comme on l'a dit, il y a quelque chose qui se partage vraiment humainement autour de la lecture. Et quand on lit à des petits-enfants, et pas forcément le sien, il y a vraiment quelque chose qui passe. Et que cette chaleur humaine qui se fait autour des mots et des textes, et nous sommes des êtres de langage, même si c'est des mots qu'on lit et pas ceux qui sortent de nous, je crois que... C'est là que se posent les premiers ferments du plaisir de lire, qui est vraiment aussi un plaisir de l'adresse du texte au lecteur. Et ça s'incarne. Après, super, les livres audio en plus. Mais vraiment, si on peut avoir des gens qui lisent des histoires aux enfants, à l'école, dans les bibliothèques, à la maison, avec la marraine, le parrain, qui on veut, ça, c'est la grande cause aussi à promouvoir. Mais c'est gratuit, il n'y a rien à vendre, donc je ne sais pas si vraiment, ça peut vraiment être plébiscité. Vous voulez rajouter quelque chose ? Le livre audio, en fait, peut aussi avoir l'avantage d'emmener certains élèves qui ont des difficultés de lecture vers une histoire qu'ils n'auraient pas, eux, le temps d'investir, alors que toute la classe le fait. Donc, il peut y avoir quand même aussi des accompagnements différenciés, justement, de ce point de vue-là. Mais je dirais que c'est pas encore très développé dans les classes. C'est plutôt les parents qui sont friands, je dirais, d'enceintes avec des histoires ou des podcasts à faire écouter aux enfants. Alors, peut-être parfois pour avoir la paix, mais peut-être parfois avec une autre intention, plus du plaisir de lire. Mais c'est peut-être mieux que les écrans, qui ne sont pas que délétères, sûrement pas d'ailleurs, parce qu'on peut aussi lire et écrire sur ces supports-là. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, sur les supports écrans, sur écrire par exemple, sur un clavier, est-ce que c'est intéressant ?
Ah ben, on est dans la situation d'encodage. À ce moment-là, si c'est un clavier qui nous permet de tout faire, évidemment, c'est intéressant. D'ailleurs, lorsque les enfants sont en difficulté, on leur permet d'utiliser les claviers lorsqu'ils n'arrivent pas à former les lettres correctement. Donc, on passe par cet outil-là. Effectivement, on se retrouve dans la même configuration que lorsqu'on encode. Et donc, c'est très bien pour les enfants, pour apprendre aussi. Et ça lève la difficulté du geste graphique pour ceux qui sont en difficulté pour tracer. Donc, oui, pas d'inconvénient, a priori. Après, c'est vrai que si on devait étudier toutes les situations, peut-être que dans certaines, on dirait non, là, il est préférable de faire comme ça que d'utiliser le clavier. Mais c'est comme pour l'audio, quoi. Finalement, on ne peut pas être contre, mais peut-être qu'il y a des organisations spécifiques qui permettent de mieux l'intégrer dans l'enseignement que d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a utilisé tout le temps un parti sans essayer de dépasser. Malheureusement, je suis plus. Désolée de vous couper. On aimerait je sais pas si vous on va avoir droit à la pause du coup. Et non, je crains qu'on. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup.